à vous, Arnaud Leroy. Vous parliez tout à l'heure de David Marshall. Il sera là cet après-midi pour un atelier justement consacré à l'autoconsommation et à l'efficacité des bâtiments. Je vais vous dire juste quelques mots sur le programme de cette matinée, puisque dans un instant, ce sera la plénière d'ouverture consacrée à l'autoconsommation photovoltaïque, mais pas seulement. Nous aurons ensuite des retours d'expérience des quatre coins de France sur des projets qui ont été tout juste lancés ou encore, on va le dire, dans les tuyaux, hein, parce que, comme le disait Daniel Bourg, on en est vraiment au tout début en matière en particulier d'autoconsommation collective, et ça sera l'occasion de parler de ce qui est positif, mais aussi des freins rencontrés. Et puis on terminera cette matinée par le grand témoin Guillaume Duval, qui siège ici au CESE à la section de l'économie et des finances et à la section de l'environnement. Avec Madeleine Charrue, ils ont rendu en début d'année un avis, hein, comment accélérer la transition énergétique, et donc au regard de cet avis, il nous donnera son point de vue sur cette matinée. On va faire en sorte, pour tout vous dire, on a pris un léger retard parce que vous êtes nombreux à être venus ce matin, il a fallu remplir cette salle. D'ailleurs, j'hésite pas à dire à ceux qui éventuellement sont assis qu'on a ouvert aussi au-dessus si vous voulez être confortablement installés. Je vous en prie, n'hésitez pas, il y a de la place et il y a du monde. Merci à vous d'être là. Donc, on va faire en sorte qu'il y ait quand même une petite séance, des séances de questions. C'est quand même intéressant aussi d'avoir votre point de vue et que vous ne soyez pas uniquement là à nous écouter. Et puis, vous pouvez évidemment parler au-delà de cet hémicycle, même vous êtes, si vous êtes nombreux, par les réseaux sociaux, par Twitter et par le hashtag autoconsommation PV. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va pouvoir entamer cette plénière d'ouverture en consacrant du temps, évidemment, à la question de l'autoconsommation, mais plus globalement, voir finalement comment elle s'inscrit dans la mutation du secteur de l'énergie où le numérique aussi a toute sa place. Et c'est pourquoi j'invite à me rejoindre ici, alors juste derrière, mesdames Christine Wheeler, Agnès Langevin, Georgia Concas et messieurs Hervé Mathieu-Ricourt. Allez, levez-vous. Également Christian Buchel et André Joff, je vous en prie, venez pour cette plénière d'ouverture. Allez-y. Alors, on va faire une petite mise en scène. Ils vont s'installer derrière moi parce que, à part m'asseoir sur leurs genoux ou me coincer derrière, ça va pas être évident. Donc, je vais rester ici. Ça va peut-être plus convivial pour les uns et les autres et pour pouvoir échanger. Alors, allez-y. On peut faire comme dans les dîners du soir. Un homme, une femme, un homme, une femme. C'est parfait. La parité est respectée. Donc, je vous invite à vous installer. Ah non, mais si, il faut que quelqu'un s'installe au milieu. Bon, ça va, vous me voyez bien? Parce que sinon, je ne vais pas vous tourner le dos. Je vais faire en sorte d'être un peu en rotative dans cette histoire. Puis je vais me déplacer, n'inquiétez pas. Alors, honneur aux dames, je vais d'abord évidemment vous présenter. On est ravis d'accueillir ici évidemment des représentants de régions pour parler de cette dynamique des collectivités dont parlait tout à l'heure Arnaud Leroy et aussi Daniel Bourg. Donc, madame Agnès Langevin, qui est vice-présidente de la région Occitanie, en charge de la transition écologique et énergétique, biodiversité, économie circulaire et déchets. Vous allez parler de votre démarche que connaît bien également André Joffre, donc, que je vais présenter dans un instant, évidemment, faire de cette région. Une région à énergie positive. Autre représentante, là on part du côté du Grand Est avec Christine Wheeler. Bonjour, donc vice-présidente de la région Grand Est. Christelle, pardon, je ne sais pas où je vous ai. Alors j'ai écrit Christelle et j'ai dit Christine, vous voyez, c'est Christelle, je vous en prie, excusez-moi. Voilà, vice-présidente de la région Grand Est qui là aussi va nous présenter sa démarche et dans ce cadre-là parler des enjeux d'autoconsommation. Et puis on a également avec nous Georgia Concas, bonjour. Donc vous êtes déléguée générale de l'Association européenne de l'installation électrique, dont vous nous en direz un mot tout à l'heure pour nous présenter cette association. Évidemment, parler aussi de cette directive renouvelable hein, qui évidemment aide et favorise l'autoconsommation collective, et ça c'est évidemment un sujet sur lequel on va débattre quand on voit à quel point c'est un peu complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, en France. On accueille aussi évidemment un grand groupe avec Engie, Hervé Mathieu-Ricourt, bonjour, vous êtes délégué général France B2C d'Engie, donc dans un instant vous nous parlerez aussi de ce que vous faites en matière d'autoconsommation. Évidemment il est important, et tout à l'heure Arnaud Leroy l'a cité, d'avoir le gestionnaire de distribution d'électricité Enedis avec Christian Buchel, bonjour, qui est le tout nouveau directeur clients et territoires d'Enedis, et là encore vous allez nous apporter votre regard, et puis enfin parler évidemment aussi du rôle des PME, et puis plus globalement de ce que je parlais des enjeux du numérique avec André Joffre. Bonjour, conseiller stratégique de Texsol. Alors, on va commencer à entrer dans le vif du sujet en revenant sur ce qui avait été annoncé en juin par le gouvernement, le plan solaire, Place au soleil, c'est son nom,
pour booster la part des énergies renouvelables face au nucléaire, il faut bien le dire. Donc les plus grands groupes et les hypermarchés, même l'armée, annoncent qu'ils vont multiplier les panneaux photovoltaïques parce que l'objectif, c'est faire du solaire le principal levier pour arriver à 32% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique en 2030. Donc dans ces groupes engagés, évidemment, il y a Engie. Donc avec vous, Hervé Mathieu-Ricourt, voir votre point de vue. Alors donc il y a un vrai engagement, bon déjà qui était évidemment de la part d'Engie dans le solaire, mais qui a encore plus été affirmé à travers ce plan solaire. Vous, quel est votre retour d'expérience? Je sais que Daniel Bourg parlait tout à l'heure d'une vraie adhésion sur ces sujets. Vous le sentez en particulier dans votre groupe? Bonjour, merci. Hervé Mathieu-Ricourt, je suis directeur général de B2C en France pour le groupe Engie, comme vous le disiez. Nos consommateurs le souhaitent. On est très étonné par ce qu'on constate. 2/3 des Français veulent, ont envie d'avoir des panneaux sur leur toit. Alors que ce n'est pas une décision facile à prendre. 90% d'entre eux veulent autoconsommer. Et mieux encore, je viens de l'apprendre ce matin en discutant avec mes équipes, que je vous invite à aller voir en sortant, on a un super stand sur notre produit. Quand on demande à nos clients existants, acceptez-vous de conseiller, recommander, expliquer les bénéfices de l'installation que vous avez posée à quelqu'un qui réfléchit, qui hésite? Nos clients, à 60%, disent oui. Est-ce que vous connaissez un seul client de véhicule, de yaourt, de quoi que ce soit, qui à 60% est volontaire pour aller expliquer à un prospect les bénéfices de l'autoconsommation? Moi, je n'en connais pas. Donc, les Français en veulent. Et nos clients promeuvent les solutions. Et les exemples étrangers le confirment, c'est une lame de fond qui est en train de rentrer sur le territoire. Et ça changera tout. Ça changera tout. Notre analyse, c'est qu'on est en train de basculer très sommairement d'un système électrique avec de la production très centralisée, de l'acheminement, vers un système électrique avec de la production, de l'acheminement et de l'autoconsommation. C'est ce vers quoi nous allons dans 10 ans, nous pensons. J'étais content de voir d'ailleurs que les chiffres évoqués par le syndicat sont à peu près les mêmes. On n'exclut pas dans 10 ans d'avoir 2-3 gigawatts de production grâce à l'autoconsommation des particuliers en France. Ce sont des chiffres considérables, vous le savez. Donc Engie, sur ce sujet, prend un coup d'avance. Nous avons une offre qui est à des prix les plus bas du marché. Vous l'évoquez, Président, l'importance de ne pas avoir des prix trop élevés, c'est évident. Nous commençons à 7000 euros pour l'installation d'un client. Nous apportons des garanties supérieures à celles du marché. Nous avons l'installation qui se fait en une journée. On apporte la batterie, on apporte le financement pour ceux qui le souhaitent. C'était une demande d'ailleurs de nos clients, des constats intéressants qu'on a fait. Et puis au-delà de cette offre qui est décisive pour faire démarrer le marché, on a une approche de plus en plus construite sur tout ce qui est formation et partenariat, notamment avec les installateurs. Par exemple, à Marseille, on a mis en place un institut de formation parce qu'on manque de poseurs. Vous travaillez directement avec la filière des installateurs. Absolument. On parlait d'éco-délinquance tout à l'heure. On sait bien que ça, c'est un point de vigilance majeur où il faut travailler avec les installateurs. Donc on a l'impression qu'il y a plein de choses qui se font. Personnellement, je suis extrêmement optimiste sur la longue route, mais on est quand même qu'au début du chemin. Alors certes, il y a 2 ans, on n'avait rien. Ni technologiquement, il y a 5 ans, on n'avait rien. Il y a 2 ans, on n'avait rien réglementairement. Il y en a beaucoup de choses. Mais maintenant, il faut quand même lever tous les obstacles. Vous en avez évoqué quelques-uns, Monsieur le Président. Mais il y en a d'autres à lever. Et il nous semble qu'il y a des tas d'obstacles très simples à lever, sur lesquels on doit tous se mettre. La rapidité pour obtenir différents accords, autorisations des collectivités locales, des architectes des bâtiments de France, du Consuel. La rapidité avec laquelle notre partenaire Enedis, ici présent, doit traiter les demandes de raccordement. Tout le monde doit faire un effort. Il nous semble que c'est maintenant ce qu'il faut pour faire massivement accélérer ce sujet sur lequel nous voyons une très forte adhésion de nos clients. Alors vous voyez une adhésion. Est-ce que vous voyez que l'autoconsommation aussi change la façon, on va dire, de consommer l'énergie de vos clients? On va parler notamment d'efficacité aussi dans les ateliers. Comme je le disais, la prescription, les gens qui font de l'autoconsommation sont prêts à le prescrire, sont prêts à le recommander, ils en sont fiers. Étonnant. Enfin, franchement, regardons autour de nous les produits qu'on achète au quotidien. Combien y a-t-il 60% des personnes ici qui sont prêtes à recevoir un coup de fil pour recommander leur voiture? Je ne pense pas. Dans l'autoconsommation, c'est ce qu'on constate. Deuxième point, évidemment, ils l'utilisent. Et troisième point, ils regardent. Ils suivent. Ils nous challenge, passez-moi l'expression, sur les outils qu'on leur donne.
pour suivre combien ils ont produit, à quoi ça a été utilisé. Donc c'est cet ensemble de transformations assez profondes du comportement du client qu'on observe depuis qu'on a lancé nos produits. Alors, comportement du client, mais c'est vrai que c'est une question aussi qu'on va aborder, que je disais en introduction, on est quand même dans une mutation d'un secteur aussi qui oblige aussi, on va dire, à des changements culturels. Est-ce que vous, ça change aussi votre business model de fournisseur, cette question? Ça change tout. Ça change tout, principalement dans cette vision de long terme que nous construisons. On passe d'un système électrique où nous revendons de l'électricité produite, soit par nous, soit par d'autres, à un système électrique où on reposera pour une partie significative sur l'autoconsommation. Pour simplifier, nos clients qui aujourd'hui payent 100 euros de facture d'électricité, peut-être que demain ils paieront 60 euros de facture, pas seulement d'électricité. Par exemple, une partie pour faire l'entretien de leur matériel. Donc ça change fondamentalement et la relation qu'on a avec nos clients et le business model dans lequel on doit s'inscrire. Alors là, vous parlez plus d'autoconsommation individuelle, vous êtes sur des projets d'autoconsommation collective aussi, parce qu'on sait que c'est un peu plus le sujet sensible en ce moment. Alors, les deux sujets sont sensibles, l'un pour, comme je l'évoquais, sur les particuliers, d'autant plus que le développement chez les particuliers ne fera que faciliter le développement et l'adoption dans un cadre collectif. Alors sur le cadre collectif, il est peut-être encore plus sensible, finalement c'est un peu le sens de votre question, par le fait qu'on a l'impression que tout n'est pas mis en place pour faire démarrer encore la filière. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire sur, vous l'avez évoqué, ce sera largement couvert aujourd'hui, la gestion fiscale, les autorisations administratives, la capacité à traiter localement et non pas sur des règles d'organisation, de réseau. Ça a bien avancé avec ce que les groupes de travail de M. Lecornu a traité localement, dans une logique géographique, la mise en place de l'autoconsommation collective, l'accès aux bases de données, la connaissance avant de se lancer sur des installations collectives de ce que le réseau peut faire et pas faire. On a l'impression qu'on se donne un tout petit peu moins de dynamisme sur ce sujet-là que sur celui sur lequel on s'est donné pour les particuliers. Alors, je parlais justement de l'engagement des grands groupes à l'occasion de ce plan. C'est aussi une façon de pousser la dynamique. On va dire. Absolument. Vous avez aussi un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer et par le lancement de nos produits, qui sont la première adoption qu'on verra chez nos clients, nous pensons être en possibilité de le faire. Engie prend un coup d'avance. Permettez-moi de conclure sur ce point. D'accord. De toute façon, nous aurons l'occasion évidemment de continuer à échanger avec les autres intervenants et le regard qu'ils ont sur ce sujet d'autoconsommation et globalement du secteur de l'énergie. Mais vous avez parlé de local. Alors, c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi en région. Donc, je vais commencer par vous, Christelle Wilhelm, vice-présidente de la région Grand Est. Alors, vous avez quelques présentation aussi à nous faire sur votre démarche. On sait que l'Alsace a été pionnière de l'autoconsommation PV avec son appel à projet qui était dédié et puis qui a été étendu à toute la région Grand Est. Donc il y a une vraie démarche et notamment un programme dont vous voulez nous parler en particulier qui est Climaction. Oui, tout à fait. Donc, rapprochez bien votre micro de votre bouche. Voilà. Permettez-moi déjà de vous saluer toutes et tous. C'est un réel plaisir d'être ici pour ce sujet qui nous concerne effectivement tous. L'augmentation de la température, le réchauffement climatique, c'est vraiment le cœur de nos préoccupations. Je voudrais aussi dire que l'autoconsommation, c'est non seulement un secteur d'avenir, c'est certes un sujet environnemental, mais également économique. Alors, je vais vous présenter notre dispositif à la région Grand Est, qui s'appelle Climaction, et qui est en partenariat avec l'ADEME. Donc, je crois que c'est important de dire que c'est un partenariat, on travaille ensemble, puisque c'est important. C'est un guichet unique. Alors, je ne sais pas si ça déroule. Alors, je crois qu'on a quelques visuels. Voilà. Si quelqu'un peut nous les montrer aussi. Éventuellement donner une zapette, je ne sais pas. Ça n'y est pas, c'est on est encore. Surprise. Oui. Alors, sur commencer à nous en parler, ça va sûrement surgir. Je vais déjà un petit peu dire que sur l'initiative Climaction, la région Grand Est s'est dotée de 12 agences avec des animateurs Climaction pour être au plus près des citoyens et pouvoir accompagner les projets. C'est quelque chose qui est important parce que s'ils se sentent perdus, effectivement, avoir un animateur qui les accompagne tout au long du projet dès le début. Alors, est-ce que ça suit ? Non, toujours pas ? On retrouve Daniel Bourg, c'est bon, ça va arriver, je crois. On va arriver. Voilà, ça c'est vous tous. Voilà, et ben voilà, parfait.
Alors, j'en suis juste à celle avant encore. Voilà. Donc, le projet Climaction, anticiper, économiser et valoriser, c'est les trois points clés qu'il nous faut. Pardon. Hop. Le suivant. Alors, c'est un programme très vaste et ambitieux pour la transition économique, l'économie circulaire avec les thématiques. Donc, on a quatre grands axes. C'est l'efficacité énergétique des bâtiments, l'énergie renouvelable, l'économie circulaire et l'économie de ressources, climat et démarche territoriale du développement durable. Mais nous allons surtout parler du sujet qui nous concerne, le photovoltaïque, entre autres. Donc là, il y a quelques chiffres, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'était un petit peu que vous vous rendez compte déjà de ce qui a été fait entre 2007 et 2017. Et on voit bien qu'il y a 33,2 millions mégawatts crête qui ont été produits entre 2007 et 2017 dans la région Grand Est. Donc déjà, c'est pour montrer qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là. Le soutien au photovoltaïque. Le suivant. Je vais plus vite que les diapositives. Alors, c'est un petit peu pour vous présenter les publics éligibles. Donc, je ne vais pas les citer tous, hein, c'est une explication sur le dispositif. Je pense que le diaporama vous sera transmis et vous pourrez un petit peu revoir. Alors, les études, il y a bien sûr un questionnaire préalable avec une étude simplifiée et une étude approfondie. Et l'autoconsommation fait surtout partie donc, de l'étude approfondie. Les investissements, donc bien sûr la nature des installations éligibles, hein, en toiture intégrée ou non et au sol, avec, je souligne, l'obligation de l'évaluation environnementale que vous connaissez tous avec l'évaluation carbone simplifiée des installations. Alors un tableau très complexe qui fait un petit peu difficile à lire, mais c'est un petit peu pour vous montrer les porteurs de projets et les taux d'autoconsommation. Donc, nous avons différents types. Et ce que je me permets de souligner, c'est surtout les projets participatifs. Oui, avec la maîtrise. Voilà, pour lesquels, en fait. Citoyenne de gouvernance. Voilà, les particuliers ont pu s'investir de manière très large dans leur financement, soit dans le montage ou dans la gouvernance. Et les projets ont ainsi pu être initiés par des citoyens, des développeurs professionnels. Et donc, il y a un bonus aussi pour les projets où la gouvernance est citoyenne. Donc, tout ceci est très récent. Il y a à peu près 10 projets dans le Grand Est depuis 2017. Et pour terminer, donc, tout particulièrement, le nouvel appel à projet, l'autoconsommation collective. Donc, c'est pour vous montrer quand même qu'on est très actif et qu'il faut évoluer, qu'il faut s'adapter à la demande. Alors l'autoconsommation collective, hein, tout le monde connaît, lorsque les producteurs ou les consommateurs finaux sont bien sûr multiples et ils doivent bien sûr dans ce cas se regrouper au sein d'une entité juridique. Et nous avons donc une forte aide, puisqu'on parle quand même de 500 euros le kilowatt crête et on est parti sur 15 projets pour le moment à soutenir. Enfin, on s'adaptera aussi en fonction si vraiment il y a beaucoup de projets, on pourra toujours aider encore plus. Donc vous l'aurez bien compris, notre ambition via tous ces dispositifs, c'est d'amorcer le changement, l'approche que nous avons de la transition énergétique. On a un dispositif qui est là, qui est un moyen, qui est un outil, et qui simplifie ainsi l'aide aux citoyens. L'idée est donc de décliner chez soi ce qui fonctionne chez son voisin. Et voilà, nous avons quelque chose de concret en place. C'est ce que je voulais déjà partager avec vous. Merci. Merci à vous. Donc, on a vu cette présentation. Évidemment, comme on dit, on pourra revenir en détail sur tous les chiffres. Il y a beaucoup de données et on voit l'engagement aussi de la région Grand Est. On voit aussi voilà, votre engagement. Comment vous voyez intervenir, vous, on va dire, en complément de l'État sur ce sujet? Alors, on a bien dit qu'agir ensemble, c'était important. Déjà, le fait d'avoir un partenariat avec l'ADEME, on voit que nous faisons tout ça ensemble. La région est chef de file, ça a été bien dit, hein, climat, air, énergie, dans la protection de la biodiversité. Et c'est ensemble qu'on peut endiguer ainsi ce réchauffement climatique.
mais en motivant la participation active de chacun. Alors vous parliez de cet appel d'offres, par exemple, il y a une dimension aussi, j'imagine, locale. Vous êtes là aussi pour soutenir, on parlait de création d'emplois, il y a une vraie dynamique locale chez vous de soutien, on va dire, aussi à l'innovation. Oui, alors l'innovation est bien sûr aussi au cœur de nos systèmes. Jean Rotner, d'ailleurs le président de la région Grand Est, a mis une des priorités sur l'emploi. Et c'est ainsi que nous avons donc des pistes de réflexion sur des formations nouvelles, sur l'innovation et sur les énergies renouvelables. Alors dans un instant, on va parler d'Occitanie, mais je crois que vous avez un petit point sur lequel vous pouvez revenir. On est sur le Grand Est. C'est quand même la question de l'ensoleillement et du prix. Je regarde ma collègue. C'est vrai que ce qui serait bien, c'est qu'au niveau de l'État, nous puissions un petit peu revoir les prix, les moduler. Parce qu'on n'a pas le taux d'ensoleillement partout le même. Et ce serait dommage de mettre la région Grand Est, par exemple, en concurrence avec l'Occitanie. Mais elles ne sont pas en concurrence. Non, mais c'est vrai que c'est un point sur lequel vous vouliez aborder. Donc on a senti cette dynamique régionale. Vous pourrez évidemment commenter tout à l'heure ce que vont dire les autres intervenants. Mais on va poursuivre, justement, je fais le lien avec l'Occitanie. Et donc Agnès Janjouin, vice-présidente de la région. Là aussi, le Languedoc-Roussillon en particulier, pionnier de l'autoconsommation PV, là aussi, qui a été évidemment étendue à toute la région Occitanie. Alors vous avez une ambition, hein, une région à énergie positive, c'est ce que je disais, réduire les consommations d'énergie, aussi couvrir 100% des consommations par la production d'énergie renouvelable locale, des enjeux aussi en termes de transport, il y a une vraie dynamique dans cette région. Ça marche ? Oui, ça marche. Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Ça me permet effectivement de réaffirmer toute la dynamique et l'ambition de la région Occitanie pour la promotion des énergies renouvelables. Nous avons co-construit avec une centaine d'experts, développeurs, grands groupes, associations citoyennes. Nous avons co-construit un scénario, une trajectoire qui nous permet à la fois de mesurer ce que veut dire concrètement sur les territoires concourir à la réalisation des accords de Paris, dans une région, vous l'avez rappelé, extrêmement dotée en termes de gisements solaires, hydro, éoliens, en biomasse aussi ou en géothermie, avec des acteurs, que ce soit sur la recherche et l'innovation ou sur le développement des projets, on a un tissu très, très, très dynamique. Cela veut dire quand même pour la région Occitanie, par rapport au point où nous en étions en 2016, cela veut dire donc réduire de 40% notre facture énergétique dans un contexte de pression démographique extrêmement important, avec évidemment les leviers que vous connaissez, hein, une baisse de la facture énergétique liée aux mobilités pour 60% et une baisse aussi liée à la facture énergétique de l'habitat, où là nous devrons atteindre les 30% de baisse de la facture énergétique. Une fois qu'on a agi sur ce levier de réduction et d'efficacité énergétique, nous aurons, si nous voulons atteindre cet objectif de région énergie positive, nous aurons à multiplier par 3 la puissance installée pour les énergies renouvelables en région, avec pour le photovoltaïque, puisque c'est ce qui nous intéresse, un facteur 12. Donc nous devrons multiplier par 12 la puissance installée en photovoltaïque, je le répète, dans une région qui est déjà extrêmement dynamique et compétitive. Donc nous avons mis effectivement des moyens à la hauteur, hein. Il ne suffit pas que ça reste un slogan, être la première région à énergie positive. Donc nous avons un ensemble de dispositifs d'accompagnement, nous avons installé une agence régionale énergie-climat qui va, avec différents supports juridiques et financiers, pouvoir finalement accompagner les acteurs économiques, les territoires, mais aussi les collectifs citoyens, de l'envie, de l'intention jusqu'à l'investissement avec différentes briques, mais qui seront finalement agrégées dans un guichet unique.
Pour ce qui concerne l'autoconsommation, nous avons très vite identifié l'autoconsommation comme un vecteur extrêmement important pour concourir à la réalisation de cet objectif. Déjà parce que ça a été dit par le président de l'ADEME, il y a une réelle appétence des citoyens pour l'autoconsommation, que l'on peut comparer finalement au circuit court qu'on a vu se développer dans le champ de l'alimentation. Donc beaucoup de personnes même ne comprenaient pas ou pourquoi on ne pouvait pas finalement consommer l'énergie qu'on produisait. Donc ça nous... C'est, je pense, un levier pour vraiment sensibiliser les citoyens à la transition, pour favoriser l'acceptation des projets, puisque vous le savez, il existe de plus en plus de tensions, de crispations autour de projets, de grands projets d'énergie renouvelable, que ce soit éolien, mais aussi de centrales photovoltaïques de grands périmètres. Donc c'est, pour, de notre point de vue, un facilitateur. C'est aussi un levier pour aider à la montée en compétence des acteurs sur, que ce soit les artisans, les développeurs, sur l'activité d'autoconsommation. C'est un modèle, ça a été dit, qui permet aussi de bien concilier la maîtrise des consommations, l'efficacité avec la production. Bref, nous souhaitons vraiment donc faire de la région Occitanie le leader de l'autoconsommation. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé, dès la publication des ordonnances de 2016, un premier appel à projet en complément de l'appel d'offres national pour accompagner donc des projets que l'on a catégorisés alors, par type de bâtiment et donc par type d'activité, que ce soit des bâtiments tertiaires, bureaux, des bâtiments industriels, des bâtiments agricoles, le secteur aussi médico-social. Nous avons aussi une entrée autoconsommation collective et enfin une entrée, tout ce qui relève de l'innovation, que ce soit de l'innovation technologique, bien sûr, avec le couplage de stockage ou même production d'une autre ENR, mais aussi et surtout au niveau des usages. Donc en 2017, nous avons reçu 52 candidatures, nous en avons sélectionné une trentaine de projets qui répondent tout à fait à la fois bien sûr aux critères, mais à cette volonté de pouvoir éprouver des modèles économiques qui deviennent des références et qui soient bien sûr transposables, puisque l'enjeu, ça a été dit, c'est de pouvoir à la fois essaimer, mais de pouvoir accélérer. Donc vous en avez retenu une trentaine qui vont tous aboutir. Ah oui, il y en a déjà qui sont, puisque déjà, oui. L'appel, un des critères, c'est que la réalisation des projets n'excède pas 24 mois. Donc il s'agit, nous avons sélectionné des projets qui étaient assez matures. Le taux d'intervention de la région s'élève en moyenne à 30% du montant total. Donc c'est pas non plus... incohérent, et on voit que l'effet levier de 1 pour 4 de l'argent public est quand même assez pertinent. Alors justement, de la même question aussi que pour Madame Mollière, comment vous voyez-vous intervenir, comment la région intervient en complément, on va dire, de l'État sur ces sujets-là? Alors en complément de l'État, on soutient les différents syndicats pour effectivement faire accélérer la levée des freins réglementaires. Et je crois que le rôle des régions en leur qualité de chef de file, c'est vraiment qu'il y ait une pleine appropriation de ce modèle par les territoires. Donc nous avons une échéance qui finalement est une opportunité, puisque nous devons élaborer, vous le savez, les SRADET, les schémas régionaux d'aménagement du territoire. Nous avons fait de notre ambition région énergie positive et donc du scénario le volet énergie, donc ce qui vient remplacer les schémas régionaux air, climat, énergie. Donc le scénario devient le futur volet énergie du SRADET, et donc nous allons accompagner les territoires pour à la fois définir des projets énergétiques de territoire, et là on voit que l'autoconsommation est tout à fait
comment dire, c'est une réponse, une solution extrêmement concrète pour les élus locaux qui peuvent coupler autour des mobilités, avoir évidemment l'axe qui est très important de lutter contre la précarité énergétique. Nous sommes une région où 14% des ménages sont en situation de précarité énergétique. Bref, c'est une opportunité pour tous ces territoires de se réapproprier la question de la transition énergétique et de pouvoir la mettre en œuvre avec vraiment une plus-value et des retombées locales économiques extrêmement favorables. Donc nous accompagnons les collectivités à travers des contrats, de la contractualisation, et nous les accompagnons tant sur le volet d'ingénierie, de mise en place d'études de faisabilité, mais aussi d'autres études, le dialogue avec la population, l'intégration paysagère, enfin différents volets, le modèle économique aussi, s'ils veulent intégrer du participatif et citoyen dans la gouvernance des projets. Et puis nous intervenons aussi à leur côté en termes d'investissement. Voilà, donc nous offrons toute la palette, sachant que quand on contractualise avec un partenaire, on contractualise aussi sur des objectifs. Donc on voit évidemment à travers vos deux exemples cette dynamique régionale avec parfois aussi des questions qui peuvent se poser, mais là on va y revenir au fur et à mesure des échanges. Là c'est bien d'avoir présenté aussi cette démarche et cet engagement et comment les régions ont aussi un rôle à jouer. Je vais me tourner maintenant vers le gestionnaire de distribution d'électricité Enedis avec Christian Buchel, directeur client et territoire. Enedis qu'on interpelle souvent, on ne va pas dire le contraire sur ce point-là. Alors vous justement, comment vous abordez cette thématique de l'autoconsommation? Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être dans cette salle. Et puis, de territoires autour, je pense que c'est le cœur de la transition, se fait par et dans les territoires. Alors, peut-être rappeler qu'Enedis, et c'est vrai, je pense qu'on aura un débat européen, et le président et Arnaud Leroy ont fait quelques comparaisons européennes. Ce qui est vrai en France est vrai dans toute l'Europe. Ce qui est vrai dans toute l'Europe est vrai en France. Les réseaux, les gestionnaires de réseaux de distribution sont des entités neutres, dont le job, c'est vraiment de rendre cette transition possible. Possible pour les clients, possible pour les acteurs de marché. J'ai pris mes fonctions récemment, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans la salle qui développent des modèles d'activité, y compris d'ailleurs sur cette scène. Hervé Mathieu a évoqué l'appétence client, on a vu Texol, je pense que notre job c'est de rendre dans la neutralité tout ça possible. Et si on garde les quatre grands métiers dans la transition énergétique des réseaux de distribution en Europe et donc d'Enedis en France, c'est, je dirais, d'abord renforcer le pouvoir du consommateur final, du client final, qui entre par l'autoconsommation notamment, mais pas seulement, parce que demain il y a le stockage, il y a la mobilité, donner le pouvoir quelque part au consommateur final d'entrer dans le système électrique. Et le compteur Linky en France, il a d'autres noms en Europe, participe à cette prise en main par le consommateur final. Le deuxième métier dans la transition énergétique, c'est le raccordement des énergies décentralisées, le photovoltaïque en particulier. Quand on regarde aujourd'hui en France, j'étais longtemps, enfin quelques années dirigeant en Allemagne, on ne le voit pas bien en France, mais je reviendrai sur la publication de données de l'Open Data. Les choses vont quand même assez vite. On a aujourd'hui raccordé au réseau de distribution, je dis bien au réseau de distribution, c'est la basse tension, la moyenne tension, 25 gigawatts qui sont raccordés, c'est considérable. Alors les deux tiers c'est de l'éolien, un tiers c'est le photovoltaïque. Il y a des milliers de raccordements photovoltaïques qui sont aujourd'hui dans les tuyauteries pour être accordé. Et je voudrais donner un petit signe d'optimisme quand même par rapport à l'introduction du président Bourg. Oui, parce qu'il parlait quand même aussi de retard. D'ailleurs, on va le mettre en open data, j'y reviendrai, mais sur les 10 000 raccordements de photovoltaïque sur le premier semestre, 80% sont de l'autoconsommation. Donc les choses bougent. Alors effectivement, quand on est au bas d'une courbe exponentielle, on dit ça va pas assez vite, mais les choses bougent. Je partage ce qu'a dit Hervé Mathieu là-dessus. 2 ans, c'est à la fois court et long. Et je suis convaincu que si on se retrouve dans cette salle dans 2-3 ans, les chiffres seront considérables. Donc, deuxième mission, raccordement des renouvelables. Troisième mission qui est la nôtre, c'est rendre des modèles d'activité qui sont nouveaux, qui sont anciens, peu importe, des nouveaux modèles d'activité possibles.
Et beaucoup d'acteurs ici dans cette salle, grands ou petits d'ailleurs, inventent des nouvelles offres. Notre job dans la neutralité, encore une fois, nous sommes un acteur neutre de marché. On doit rendre ces nouveaux modèles possibles, et l'autoconsommation collective en est un. Et rendre possible l'autoconsommation collective, ce n'est pas si simple. Alors ça reste compliqué, j'entends ce qui est dit dans mes premiers rendez-vous. Ce Geoffre, on s'est vu il y a quelques jours. Oui, c'est encore compliqué. Oui, il y a encore du travail à faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'autoconsommation collective, autour du compteur communicant, autour de la mise à disposition de données, de dire quels sont les volumes à partager, combien de puissance il faut, etc., c'est notre boulot de faire ça, y compris avec le big data. Donc, troisième mission, c'est effectivement rendre possible les nouveaux modèles d'activité. Et le quatrième, c'est vraiment accompagner les territoires. Vous avez parlé de votre effectivement ambition, qui n'est pas qu'un slogan, pour travailler beaucoup avec vous, les équipes en Occitanie. Dans le Grand Est, vous avez évoqué le plan du Grand Est. Notre job, c'est aussi d'accompagner les territoires. Et on travaille notamment avec les régions sur les schémas directeurs pour que les investissements se fassent suffisamment en amont pour rendre possible l'ambition, j'allais dire politique, au sens le plus noble du terme, des territoires. Donc voilà les quatre grandes missions. Et juste comment on les exécute, ces missions? La première, c'est effectivement combiner, je pense, le digital et l'énergie. J'étais jusqu'à quelques semaines responsable du digital. Le compteur communicant Linky est de cette partie-là, mais il y a aussi toute l'analyse des données, il y a toute la partie big data au service, notamment de l'autoconsommation collective. Le deuxième sujet, c'est l'ouverture des données. Enedis, comme acteur neutre, a largement ouvert ses données. Il y a des dizaines de jeux de données, je vous invite à y aller. Vous avez le panorama des installations ENR en open data. Vous avez depuis quelques semaines les réseaux électriques aériens qui sont en open data. Donc ça, c'est sur le site d'Enedis. C'est sur le site Enedis. Il y a un des métiers qui s'appelle open data. Vous allez dessus, vous avez les réseaux électriques. C'est quand même plus facile d'investir quand on sait où sont les réseaux plutôt que de sortir des cartes qu'on ne sait pas bien dérouler sur une table. Et je peux l'annoncer aujourd'hui, on va mettre en open data les sujets d'autoconsommation, qu'elles soient d'ailleurs individuelles ou collectives. On a encore besoin techniquement, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Open Data Soft, c'est encore un peu en cours, mais comme ça les chiffres, on aura tous les mêmes, puisqu'ils sont raccordés au réseau. Quand vous dites les sujets, c'est les chiffres que vous avez, ce que vous avez commencé à citer. Parce qu'il y a plusieurs filières d'autoconsommation, là on parle évidemment aujourd'hui, mais vous l'avez évoqué, il y a d'autres filières, je pense à la biomasse, je pense à la cogénération, donc vous aurez par filière industrielle, vous aurez par territoire, et bien sûr toujours en protégeant la donnée dite commercialement sensible, pour prendre un mot juridique, ou pour le dire autrement, en protégeant bien sûr vos activités et la vie privée. Donc on va mettre en open data, je crois que la présentation est disponible pour cet après-midi, les collègues dans la salle vont la présenter, vous verrez les chiffres, les courbes sont quand même exponentielles. Elles ne sont pas pareilles dans toutes les régions, pour tout un tas de raisons, les politiques des régions peuvent être différentes, l'appétence des clients peut être différente, mais on pense que cette open data, d'ailleurs, Enerplan, et on a eu le dialogue avec Enerplan, est favorable à que l'acteur neutre que nous sommes mette cela à disposition. Donc, combiner digital énergie, ouverture des données, et puis l'investissement. L'investissement, il faut investir dans les réseaux. Arnaud Leroy l'a très bien dit. Il y a le sujet du TURP. Il y a des TURP très différents en Europe. Je suis par ailleurs président de l'Association européenne. Je prends, au hasard, comme ça, les Pays-Bas. C'est l'association européenne de tous les Enedis, qui s'appelle Smart Grid, d'ailleurs, parce qu'on veut développer une industrie au service des clients, des territoires, des acteurs de marché. Bon, vous prenez les Pays-Bas, ils ont un TURP, je ne dis pas ce qu'il faut faire en France, mais il y a un TURP qui est 100%, M. Leroy l'a évoqué, qui est 100% basé sur la capacité, la puissance. Bon. On va y revenir dans un instant sur l'aspect avec Georges Aconcas, parce que je pense que justement ça va faire écho à ce qui se passe en France. Et voilà, évidemment. Et donc juste pour dire qu'effectivement l'investissement dans les réseaux, le TURP d'une part, le tarif d'utilisation des réseaux, il y a un TURP spécifique aux consommations qui a été mis en place, on l'applique. Vous connaissez la position d'Enedis, puisque je ne sais pas si elle était rendue publique ou elle doit l'être. On pense qu'il faut continuer à expérimenter, ça a été dit par le président Bourg, il ne faut pas, on va dire, enfermer trop vite les choses. Je pense qu'il faut, sur la base des autoconsommations collectives, il y en a 3 qui sont en service, 4 qui vont l'être dans les semaines qui viennent, une centaine qui sont dans les tuyaux. Regardons ces expérimentations de façon précise et réinterrogeons la régulation. Voilà un peu. Alors, parfois, on a l'impression un peu d'un serpent qui se mord la queue, parce qu'il faut à la fois faire des expérimentations, mais avoir un retour d'expérience pour pouvoir avoir une réglementation qui avance. Donc, on est un petit peu, parfois, en train un petit peu de tourner en rond, un petit peu.
Oui, mais je partage assez ce qui a été dit tout en introduction. Ne nous enfermons pas trop vite dans des carcans en ayant fait des analyses qui, soi-disant, sont parfaites. Peut-être elles le sont. Peut-être l'expérience montrera que les choses sont un peu différentes. Et les projets d'autoconsommation collective qui sont encore, on va dire, de faible échelle, et ce qui a été dit est vrai aussi, vous verrez dans l'open data sur les chiffres, c'est beaucoup des petites puissances. Hein, c'est beaucoup des petites puissances. Donc effectivement, je crois qu'il faut une boucle itérative comme ça. Le profil de consommation des clients va changer. J'imagine qu'un acteur comme Engie mesure ça de près aussi. Le profil même de consommation va changer avec l'autoconsommation / avec l'autoconsommation collective. Et donc, effectivement, c'est une boucle d'itération. Alors, il y a une question juste qui me vient naturellement pour rebondir aussi sur ce que disait Hervé Mathuré-Court. Vous l'avez dit, hein, le client est évidemment au cœur de votre démarche. Vous avez quand même un consommateur qui devient potentiellement un producteur. Donc, ça veut dire, on parle beaucoup de changement de modèle. Hein. Ça veut dire que culturellement, pour vous, pour Enedis, il y a besoin d'avancer, de changer de culture, changer de modèle. Pourquoi pas changer de procédure ? Alors, changer de culture, oui. Changer de modèle, absolument, il faut rendre tous les modèles possibles, parce qu'il n'est plus de la science-fiction que de dire la mobilité électrique, si je prends la partie, on va dire, mobilité combinée stockage et production photovoltaïque, tous ces modèles-là, on les expérimente dans plusieurs endroits en Europe. On a un démonstrateur à Nice, par exemple, sur ce sujet. Il y en a un autre qu'on regarde de près qui est aux Pays-Bas. Parce que le véhicule to grid, c'est-à-dire la décharge du stockage qui lui-même a été rempli par du photovoltaïque par le client, je m'entends, le conducteur lui-même, tout ça, ce n'est pas de la science-fiction. Donc Enedis, il y a un changement culturel, il y a un changement de compétences aussi, hein, il faut des compétences nouvelles, je parlais du digital en particulier. Donc c'est effectivement, je ne sais pas s'il faut parler de révolution, mais en tout cas, c'est une grande transformation des compétences et du rôle de la plateforme neutre qui est en train de devenir le réseau de distribution. Alors j'ai juste une question technique, c'est comment ça va s'organiser pour rendre possible des services réseau au niveau BT ? Alors je ne sais pas si je comprends bien votre question sur la basse tension. Aujourd'hui, le photovoltaïque, effectivement... Si je prends la haute tension d'abord, c'est peut-être ça que vous voulez évoquer, la haute tension, il y a des réglages de fréquence, il faut que pour la continuité, parce que j'ai oublié de le dire, sur la base de tout ça, il faut que la qualité de fourniture et la continuité de fourniture soient assurées. Ce n'est pas si simple. Puisqu'avant, on avait une espèce de tuyau d'arrosage, l'électron y passait d'en haut à en bas, et tout était facile à organiser. Donc aujourd'hui, il faut quand même que tout ça fonctionne sans qu'il y ait des interruptions d'électricité et pour que la qualité de l'onde reste bonne. Donc pour revenir à votre question... Côté haute tension, il y a un réglage de fréquence pour assurer que le 50 Hz il soit stable sur toute l'Europe, pour qu'il n'y ait pas d'effondrement. Et là, effectivement, les acteurs de marché, les producteurs, qui sont plutôt des installations centralisées, sont rémunérés pour participer à des services systèmes, enfin sans être trop technique. Sur la basse tension, c'est quand même très différent, parce que d'abord, le sujet, c'est beaucoup plus le voltage control, enfin le niveau de tension que le niveau de fréquence. Les installateurs eux-mêmes ont besoin d'une stabilité, donc on est en train de discuter de ça. C'est vrai qu'il y a des nouveaux... Si votre question est-ce que sur la basse tension, il y a des nouveaux modèles d'activité qui vont émerger ? On travaille avec EPEX, par exemple, que vaut une flexibilité sur la basse tension ? C'est encore difficile à dire. Le prix de l'électricité en France n'est pas celui d'Allemagne, que je connais un petit peu. Donc en Allemagne, il y a ces choses-là qui sont en train de se développer sur la moyenne tension et la basse tension, qui ne sont pas encore en France. Mais oui, sur la basse tension, il se passera aussi l'émergence du nouveau marché. On doit le rendre possible. Juste dire quand même que je pense que le TURP n'est pas, fait pour subventionner des nouvelles filières. Il y a d'autres moyens pour ça. Il a été évoqué ici avec les régions, le programme que vous avez montré juste avant. Le TURP est aussi un outil de péréquation. Il a été dit ce matin que c'est important que le tarif en France, c'est pas comme ça dans toute l'Europe d'ailleurs, mais qu'en France, il y a un tarif unique de l'utilisation des réseaux. Donc oui, c'est un débat qui est en cours, qui va continuer. Il y a un TURP 5, il y aura un TURP 6 un jour, un TURP 7 un autre jour. Et donc, il faut continuer à travailler là-dessus, y compris sur la basse tension. Merci à vous pour cet éclairage. Alors, on va rebondir sur la question européenne qui va nous permettre aussi de, on va dire, d'ouvrir ce sujet sur ce qui se passe en France, parce qu'on sait bien qu'on sent une volonté, mais il y a encore beaucoup de choses à faire bouger. On parlait tout à l'heure, de toute façon, de retard. Avec vous, Georgia Concas, donc déléguée générale de l'Association européenne de l'installation électrique, parler de ce nouveau cadre réglementaire européen, la directive renouvelable aussi, qui est très favorable à cette autoconsommation collective dont on parle. Alors, commencez
évidemment par présenter votre association aussi. Oui, bien sûr. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je représente l'AIE, comme vous l'avez dit, l'Association européenne de l'installation électrique, dont les adhérents sont les associations nationales du génie électrique pour la France, l'FFIE qui soutient cet événement et la CERS. Ce sont des associations donc, qui représentent des centaines, des milliers, des millions d'installateurs en Europe, de plus en plus occupés dans le secteur de l'installation, de la maintenance et de la gestion d'installations photovoltaïques. Bien évidemment, le secteur de l'installation et maintenance des installations photovoltaïques est la partie de la filière photovoltaïque qui crée le plus d'emplois en Europe. Et ça donne une retombée économique locale. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de régions, de développement local. Notre filière est très importante pour ça. Et il est important de souligner qu'il s'agit d'emplois qualifiés. On a parlé avant du projet à Marseille, de qualification pour les installateurs photovoltaïques. C'est une filière qui devient de plus en plus innovante, on l'a entendu. Il s'agit plus de connecter du simple photovoltaïque, mais il s'agit d'offrir et de connecter des solutions combinées photovoltaïque, stockage, effacement de la demande ou gestion de la pilotage de la demande, etc. etc. Donc ça devient un travail de plus en plus qualifié et innovant. Ça me fait particulièrement plaisir de parler d'autoconsommation aujourd'hui parce qu'avant de rejoindre l'AIE il y a quelques mois, j'ai travaillé pendant pratiquement une décennie pour l'association européenne du photovoltaïque, l'association Solar Power Europe. Au sein de cette association, j'ai travaillé pendant les deux dernières années sur la nouvelle directive renouvelable, en particulier l'autoconsommation, en essayant d'augmenter, de maximiser l'ambition de cette directive qui, dans je crois qu'on une a, on slide a, on que a je montrerai visuels, plus tard... Qui c'est qui nous les envoie est, pratiquement entrera en voilà, vigueur voilà, dans quelques mois, une fois que l'approbation officielle aura eu lieu, et devra être mise en œuvre au niveau national pratiquement avant 2020, disons. Donc le cadre réglementaire français est en pleine évolution maintenant, mais attention, l'évolution doit être déjà en ligne avec les dispositions qui ont été introduites dans la nouvelle directive renouvelable, numéro 2. On en a déjà une qui notamment a fixé des objectifs nationaux pour 2020. La nouvelle directive renouvelable fixe des objectifs pour l'année 2030, donc on a 32% d'énergie renouvelable sur la consommation finale d'énergie en Europe. Donc là, on a ces chiffres en visuel, il faudrait la slide suivante s'il vous plaît, ouais. Je pense. Mais la nouvelle directive renouvelable a introduit plein d'autres mesures très importante pour le développement des renouvelables et en particulier dans les renouvelables de l'électricité. Donc il y a un nouvel article par rapport à la directive existante, l'article 21, qui parle d'autoconsommation. C'est un article très important qui vise à promouvoir l'autoconsommation individuelle et collective. Il y a les deux mots l'un à côté de l'autre, donc très très important, non seulement pour la France qui déjà est en route vers le développement de ce type de business model, mais aussi surtout pour les pays, par exemple de l'Est Europe, qui sont très en arrière. Donc la France se plaint peut-être d'être un peu en retard par rapport à ses voisins allemands et italiens, mais il y a quand même beaucoup de choses qui bougent dans une direction très positive et disons assez alignée avec le cadre européen qui est en train de se mettre en place. Alors globalement, ce cadre, je pense qu'on a l'autre oui. slide qui l'explique justement, particulièrement sur l'autoconsommation. Voilà. Si je peux résumer les avancées que la nouvelle directive renouvelable, l'article 21 sur l'autoconsommation, représente pour la France, pour le cadre réglementaire actuel français, je dirais qu'il y a plus ou moins 5 points. Donc, promotion, autoconsommation individuelle et collective. On a dit avant, autoconsommation individuelle, on y est en France. Autoconsommation collective, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile.
La nouvelle directive impose aux États membres, donc y compris la France, de rédiger et envoyer à Bruxelles des plans de façon régulière, des plans et des résumés, des avancées faites dans le domaine de l'autoconsommation individuelle et collective, avec un accent particulier sur les immeubles résidentiels, avec plusieurs appartements et occupés surtout par, par des personnes qui ne sont pas, par une population qui n'est pas aisée. Donc la France ne pourra pas y échapper, il faudra faire avancer le cadre réglementaire pour démontrer à Bruxelles, au fil des années, jusqu'en 2030, qu'il y a une amélioration du cadre réglementaire qui amène, qui aboutit à plusieurs projets dans le territoire français. Ce qui est aussi très important, le point numéro 2, c'est le fait que la nouvelle directive promeut des nouveaux modèles de business. Donc, l'article 21, par exemple, dit que l'électricité en excès qui est injectée dans le réseau doit pouvoir se vendre aussi entre particuliers. Donc, ce qu'on appelle, en anglais, on appelle le peer-to-peer agreements, ou aussi par des PPAs, Power Purchase Agreements, quelque chose qui est en train de se développer en Europe lentement. On commence à en avoir quelques exemples en Europe, mais c'est encore relativement... C'est encore relativement petit en France. C'est des contrats France. En fait qui sont signés directement. Directement entre deux entités, sans passer par le marché de l'électricité en fait. Ça se fait de plus en plus, surtout avec les éoliennes et surtout dans les pays scandinaves où le cadre réglementaire est particulièrement favorable. On parle aussi de tiers financement. Vous l'avez mentionné avant. On a fait un pas en avant et un de côté en France. Le tiers financement doit pouvoir être possible dans le futur, dans le cadre de la nouvelle directive. Donc on parle de la possibilité des particuliers d'avoir une personne tiers qui possède et gère le projet. Vous m'avez demandé lors de notre entretien préparatoire s'il y a des pays européens desquels la France peut s'inspirer. En ce qui concerne l'autoconsommation collective, l'Allemagne est le pays, disons, le plus avancé dans le secteur du résidentiel. Ils ont depuis quelques années désormais un cadre très clair, très simple pour l'autoconsommation dans des immeubles avec plusieurs appartements dont les occupants sont les locataires. Ça s'appelle Mieterstrom et il est très facile pour donc un bâtiment de ce type d'avoir une installation faite par un tiers et d'en utiliser une partie pour l'autoconsommation. Donc le cadre est très simple et je pense que la France pourrait s'en inspirer. Ceci dit, il s'agit juste d'un segment du marché très particulier. L'Allemagne n'est pas aussi bien dans d'autres secteurs, dans le commercial ou l'industriel. L'autoconsommation collective n'est pratiquement pas possible. Le troisième point, je vais accélérer pour pouvoir après répondre à des questions s'il y en a, de la directive renouvelable qui est important si on a en tête le cadre réglementaire actuel français, concerne la vente de l'électricité qui est en surplus, qui est injectée dans le réseau. La directive dit que cette électricité en surplus doit être rémunérée. Il ne sera pas possible dans le futur d'avoir des cadres réglementaires au sein desquels l'électricité en surplus est injectée for free, gratuitement. Cette règle-là ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'il y ait un mécanisme de soutien comme une prime d'achat. Absolument pas, vu que le photovoltaïque par exemple devient très compétitif, mais l'électricité en excès doit au moins obtenir le prix, la valeur du marché de gros, donc 4 centimes je dirais plus ou moins comme moyenne. Quatrième point. Alors ça, ce point-là, il est sensible chez nous. Oui. Quatrième point, exonération totale d'impôts et de toutes les composantes d'une facture d'électricité pour certains projets, donc les petits projets jusqu'à 30 kW,
Crète et jusqu'en 2026. Ensuite, en 2026, les États membres peuvent évaluer si les projets de cette taille-là, donc de 0 à 30, sont assez rentables sans qu'il y ait la nécessité d'exempter complètement l'autoconsommation de paiement de toutes les composantes de la facture électrique. Ils peuvent faire ça, ils peuvent ensuite décider d'introduire des composantes de la tarife électrique si le nombre, enfin la capacité totale installée de projets en autoconsommation renouvelable a excédé le 8% de la capacité électrique totale installée dans le pays. Il faut aussi dire que cette exonération totale n'est pas obligatoire si le pays a un mécanisme de soutien pour l'électricité qui est injectée dans le réseau, bien évidemment. Sinon, on aurait une overcompensation, comme on dirait. Et une culture peut être exonérée également ? Oui, pour les projets jusqu'à 30 kW. Le dernier point, qui est assez sensible, je pense, en France, sur lequel mes membres français, donc la FFIE et la SERC, se sont battus avec les associations du photovoltaïque aussi, c'est l'interdiction de double taxation sur le stockage. Donc le marché du stockage en France est vraiment au tout début. D'après ce qu'on m'a expliqué, un des freins au développement du stockage est le fait qu'il y ait une double taxation, donc à l'entrée et à la sortie. Cela devient interdit selon la nouvelle directive renouvelable. Donc ceci sont les 5 points principaux. Il y a plein d'autres. Comme ça, les membres de la Commission européenne se battent vraiment pour interdire cette double taxation, donc on parle d'entrée et sortie. Voilà. Mmh. Il y a plein d'autres choses importantes à dire sur la directive renouvelable, mais il faut aussi souligner que la directive renouvelable n'a pas été proposée toute seule. Elle fait partie d'un paquet d'autres règlements et directives qui est en cours d'adoption aussi. La directive Energy Performance of Buildings, donc la performance énergétique des bâtiments, a aussi été adoptée au mois d'avril, me semble. Elle est déjà entrée en vigueur. Et très important, on a mentionné avant l'e-mobility, la mobilité électrique. Elle contient des nouvelles dispositions demandant aux États membres d'équiper les nouveaux bâtiments et les bâtiments qui sont rénovés en profondeur, enfin deep renovation on dit en français, en anglais, de les équiper avec des bornes de recharge ou au moins avec du pré-câblage, donc pour qu'après ce soit plus facile d'installer les bornes d'électricité. Pour les véhicules électriques. Il y a aussi d'autres directives, règlements qui sont encore en négociation, qui sont super importants pour les nouveaux business models du photovoltaïque et des autres énergies renouvelables. Ce sont des directives, règlements, par exemple, qui se focalisent sur le marché, les règles du marché électrique, et donc qui ouvrent, par exemple, on en a parlé avant, la route vers la création d'un marché de services au niveau de réseaux de distribution. Je m'arrête là, je peux répondre à toute autre question. C'est déjà beaucoup et ça nous a, on va dire, bien mis en avant ce qui se passe au niveau européen, qui fait que ça peut être aussi des avancées pour la France. Donc justement, je voulais vous faire réagir. Hein. Daniel Bourg en parlait évidemment en introduction. On sent une vraie complexification ici en France, hein, notamment l'exonération de CSPE, l'électricité solaire en autoconsommation individuelle via tiers investisseurs, on va dire, est remise en cause. Il est proposé de taxer de CSPE tous les consommateurs au-delà de 100 kWh et de les subventionner par ailleurs. André Joffre, Texol, comment vous réagissez à ce que vient de présenter, parce que cette directive, elle est venue après la décision de la CRE. Ben moi, je suis tendance à dire vive l'Europe, hein, déjà, hein, parce que heureusement qu'on a l'Europe, hein, sinon les énergies renouvelables en France ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est vrai qu'on fait un petit peu on est toujours un peu en tendance à vouloir réduire, couper les ailes, rogner les ailes un petit peu de toutes les ambitions qu'on pourrait avoir, qui pourraient être beaucoup plus importantes. En fait, si vous voulez, je pense qu'on ne prend pas le problème par le bon bout. C'est-à-dire qu'on prend le problème par le bout de l'énergie. Alors, vous vous souvenez, il y a un temps où l'énergie solaire était chère. Donc, on disait, bon, c'est cher, ça ne sera jamais rentable,
Donc, bon, on peut donner 4 sous pour satisfaire les écolos, et puis ça va, quoi. Bon. Puis après, l'électricité solaire est devenue de moins en moins chère, jusqu'à devenir compétitive. Et là, on nous dit, oui, c'est bien, mais vous êtes intermittent. Il faut entendre un peu comme intermittent du spectacle, quoi. Vous êtes un peu des rigolos, hein, ouais. Vous êtes là pour nous faire rire, quoi. Bon. Vous êtes intermittent. Alors, on dit, oui, mais vous savez, il va y avoir des batteries bientôt, dont les prix baissent également très, très vite. Et alors là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué parce que les grands opérateurs, on a des concurrents, ceux qui vendent de l'électricité, hein, sur le réseau, nous sommes tous concurrents, et tous finalement... Alors nous, on a l'inconvénient de ne vendre que des énergies renouvelables, que du solaire. Nos concurrents, les grands groupes énergétiques, ils vendent de l'électricité produite de différentes façons, et évidemment, ils ont tendance à défendre leur prix carré. Alors, vous avez vu que, par exemple, le 28 juin, lors de la restitution du groupe de travail sur les énergies renouvelables, sur le solaire, on a parlé d'une seule énergie solaire, finalement, qui était l'énergie solaire centralisée, celle où on produit dans les grandes centrales, on a parlé de milliers d'hectares, etc., de très, très grands... On a parlé de 100 gigawatts à l'horizon de 15 ans, hein, 100 gigawatts qui vont être installés en France, donc c'est très important. Et là-dedans, en fait, on a parlé que des centrales, que de tout ce qui est sur le réseau. Il y avait plein de gens qui sont venus. Bon, il y avait peut-être quelques opérateurs énergétiques qui sont un peu différenciés dans leur discours, qui ont traité de la question de l'autoconsommation, notamment collective. Et il y avait aussi les représentants des grandes surfaces qui ont été, parce qu'eux, ils pratiquent déjà l'autoconsommation et ils veulent en faire davantage. Ils veulent d'ailleurs s'intégrer dans des zones urbaines, etc. Ils veulent que finalement l'autoconsommation collective soit plus qu'un simple moyen de production d'énergie, mais soit véritablement l'émergence de la création d'un lien, un lien social. Moi, je n'avais pas du tout pensé à ça. Et ce sont des élus qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, mais vous voyez, dans une zone d'activité, par exemple, on a essayé de faire des choses... On parlait de fertilisation croisée, on voulait que les entreprises collaborent entre elles. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, elles coopèrent peu. Elles coopèrent peu. Et le fait d'avoir en partage des installations solaires qui vont permettre de pouvoir se répartir de l'électricité solaire, ça peut être l'embryon d'une relation entre les entreprises. C'est quelque chose d'important, plus du domaine sociologique que technique, mais qu'il faut prendre en compte dans le choix des élus, justement. Les élus sont très sensibles à ce genre de choses. Alors, quand je dis qu'on fait fausse route, parce que je pense qu'on prend le sujet sous l'angle énergétique, alors qu'en fait, il faudrait, je vous l'avais dit déjà l'an dernier, qu'on le prenne sous l'angle simplement du digital. Et là, si on le prend, alors je sais que Christian Buchel est très sensible au sujet, parce qu'il sort du digital, il n'est pas sorti, il est resté toujours dans le digital, mais il faut autre chose en même temps. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans le digital, les règles du jeu ne sont pas du tout les mêmes que dans celui de l'énergie. D'autant plus lorsqu'on parle des énergies conventionnelles, avec, vous voyez, bon, le nucléaire, en gros, quand on fait un EPR, c'est pour 100 ans, un siècle. Vous voyez un peu. Vous imaginez dans un siècle ce qui va se passer en matière d'énergie et en matière de digital? Mais c'est la préhistoire, hein, pratiquement. Donc, bien malin, ceux qui peuvent tirer des plans sur la comète, comme ça, dire, dans un siècle, je vous garantis que mon EPR sera toujours compétitif. Bon, tant mieux s'ils peuvent le faire, mais j'aimerais bien voir les argumentations là-dessus. Alors, dans le digital, c'est pire, parce que le temps s'accélère très, très vite. Ce qui, dans la vie normale, dure un an, dans le digital, c'est 6 mois, voire 3 mois. Il faut aller beaucoup plus vite. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, il se passe simplement qu'on nous empêche d'aller vite. On nous dit, on n'a pas de, comme le disait Daniel Bourg tout à l'heure, on n'a pas d'industrie solaire en France, ou très peu, parce que au moment où on considère que ce n'était pas rentable, d'autres investissaient des sommes considérables dans une industrie. Aujourd'hui, on a un secteur où on est particulièrement brillant en France, c'est le digital, où on peut inventer tout ce qu'il y a à inventer autour de ça. Et c'est extraordinaire. La valeur ajoutée sera sur le digital. Elle ne sera pas sur la fabrication des panneaux solaires. Il faut être clair. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben attendez, la directive européenne, je crois qu'elle a été acceptée le 14 juin, c'est ça? Et 14 juin, une semaine avant, la CRE délibère. Comme ça, en fait, elle n'est pas obligée de tenir compte de la directive européenne. Et donc si elle avait délibéré une semaine plus tard, elle n'avait pas le droit de dire on met un turp pour l'autoconsommation collective.
Oui, mais si après cette directive... Oui, mais attendez, dire, parce que là, c'est mais d'accord, mmh. mais c'est dans combien? C'est dans 2 ans. Oui. Ça va être le Turp 5. Mmh. Mais dans 2 ans, la guerre sera finie. Nos concurrents, ceux qui mettent de la blockchain dans tous les pays d'Europe, etc., on a trouvé des gens en Ukraine, partout, tout le monde bosse. Parce qu'effectivement, dans le digital, il ne faut pas beaucoup d'investissement, il faut de la matière grise, et puis il faut un ordinateur et être raccordé sur le réseau. Donc tout le monde travaille énormément là-dessus. Mais nous, nous travaillons et nous avons un sac à dos bien chargé et les pieds entravés, quoi. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Enfin, les pieds, non, les mêmes peut-être, parce qu'il faut taper sur le clavier. Les pieds, c'est pour aller encore. Bon, voilà un peu le sujet. Et donc, ça, alors, moi, je suis en totale opposition avec ce que fait la CRE, complètement. La CRE dit, oui, attention, il faut éviter le communautarisme. Mais attendez, en faisant ça, en mettant un TURP qui nous empêche de travailler correctement, d'avoir de la liberté sur le réseau public, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens vont créer des réseaux privés. Et c'est ça, les vraies communautés énergétiques que le président de la CRE ne veut pas voir. Et je suis d'accord avec lui. Mais donnez-nous la liberté de travailler sur le réseau public. Moi, je fais des propositions, Christian et à l'Enedis. J'ai calculé, là, bon, la directive européenne, elle va s'appliquer dans 2 ans. En gros, c'est le TURP 5 en 2020. Bon. Alors, donc, ça veut dire que si on fait notre consommation collective aujourd'hui, on va payer le TURP pendant 2 ans, et après, au bout de 2 ans, on ne le paiera plus, hein, puisque ça sera exonéré. Et donc, ce que je propose à nos amis d'Enedis, c'est que j'ai calculé, pour une installation de 30 kg, ça représente à peu près 120 euros par an. Mm-hmm. Bon, c'est pas beaucoup, hein, pendant 2 ans. Après, c'est fini. Ben, je propose à Enedis de dire, voilà, la CRE a décidé ça, mais nous, on a un geste humanitaire très fort. On va, ces 120 euros, on va les mettre dans un pot qui va permettre de financer le logement social et les gens en précarité énergétique. Oui, dont parlait Alice Langevin aussi, qui est un sujet majeur. En plus, il anticipe 2 fois la directive européenne, puisque la directive pousse à aller vers ça. Alors, ça ne coûte pas cher pour Enedis, c'est un truc 120 euros par opération, il n'y en aura pas des milliers. Hein. Bon. Et en plus, ça leur fait une belle image, et ça conforte leur bilan RSE. Donc voilà, j'espère que ce sera repris. On va faire réagir Christian Buchel tout de suite, hein. Vous pourrez continuer, mais allez-y. Pas surpris que ce genre fasse des propositions très originales. Et comme on dit, je vais l'étudier de près. Oui. Bon, voilà. Alors, ceci étant, sur le digital, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui arrivent. Bon, vous le savez, la blockchain, c'est en train de se développer. Il y a des tas de possibilités pour tout ce que vous avez évoqué, les échanges, le peer-to-peer, etc. Tout ça, c'est des places de marché. Bon, il y a vraiment énormément d'initiatives un peu partout avec des gens qui inventent vraiment le futur. Et donc, ce qu'on peut souhaiter, disons, et qu'il faut absolument éviter, c'est qu'on nous refasse le coup des années 80. Alors, moi, je vous le raconte rapidement. En 1981, en France, le 6 octobre 81, le Parlement est saisi d'une loi pour lancer les fameuses 58 tranches nucléaires. En fait, il y en avait 60 à l'époque. Et donc, le gouvernement Mauroy dépose ça, puis dit aux parlementaires qui ressemblaient un peu furieusement, c'était la vague rose à l'époque, mais ça ressemblait un peu aux jeunes d'En Marche d'aujourd'hui, hein, c'est un peu le même style. Et donc, il leur avait dit, bon, écoutez, voilà, on a un projet de 60 tranches nucléaires, mais en fait, il nous en faut 30. Donc, amendez le texte. Et puis c'est bon, vous aurez fait votre boulot par rapport à vos administrés, vos électeurs, et nous on aura à peu près 35% de notre électricité faite avec du nucléaire, c'est parfait, c'est comme ce qu'on a en Angleterre, ce qu'on a aux États-Unis. Et en fait, les jeunes députés n'en ont pas voulu du tout. Ils ont dit non, on n'en veut pas du tout, on en veut zéro. Et du coup, le gouvernement Mauroy, c'est Pierre Mauroy qui était Premier ministre, est passé en force, a engagé le 49-3, pour faire passer le texte. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé un beau matin avec 60 tranches nucléaires, alors qu'il en fallait la moitié. Et c'est comme ça qu'on a créé l'ADEME, d'ailleurs, pour dire, bon, on va quand même faire une agence pour isoler les bâtiments avant qu'EDF ne les chauffe à l'électricité. Donc ça a été ça, le truc. Et donc, nous, quand les centrales ont commencé à produire, en 86, on nous a dit, bon, non, on arrête le solaire en France. Stop.
Donc, interdiction de faire du solaire en France. On nous avait octroyé quelques trucs dans les départements d'outre-mer parce que les câbles électriques n'arrivaient pas jusque là-bas. Et donc, voilà, on nous a dit, vous arrêtez le solaire. Et de 86, en gros, à 2000, il y a eu une grande parenthèse où on n'a pas soutenu le solaire en France. Et on a réussi à survivre, je dirais, grâce à la Commission européenne qui nous a filé quelques missions et grâce aux régions qui ont été toujours fidèles à ce développement. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez vu dans la presse ces jours-ci, on nous dit, en fait, bon, OK, le solaire est compétitif, l'énergie renouvelable, c'est compétitif. Admettons que... bon, mais on a le nucléaire. Le nucléaire, c'est une industrie importante. C'est une industrie militaire et civile. Dans le militaire, si nous voulons avoir des objectifs militaires européens, il faut que la France joue un rôle majeur. Donc, pour avoir ça, il nous faut 6 EPR. Voilà, 6 EPR. Et donc, évidemment, si on fait ça, dans quelques années, on va nous dire, attendez, c'est bien beau le solaire, là, c'est gratuit, mais ça ne va pas du tout, parce qu'on a d'abord de l'électricité à vendre. Il faut faire tourner nos centrales. Donc, voilà, il faudrait éviter que ce truc-là se répète. Bon, j'ai entendu ce matin que la PPE était prévue pour octobre. D'accord. L'Élysée a communiqué, d'ailleurs, au moment où, juste avant la passation de pouvoir, donc il y avait une période là où il n'y avait rien, il n'y avait pas encore le nouveau ministre et l'ancien n'était pas encore parti, et c'est l'Élysée qui a dit que ce sera pour octobre. D'accord. Ça montre bien l'importance du sujet, hein, et où est le véritable pouvoir, en fait, dans cette affaire-là. Donc voilà, on va avoir des informations, je pense, rapidement, maintenant, parce qu'octobre, c'est demain. Je pense que, d'après la DGEC, que sur le solaire, il y a des objectifs très importants, mais, vous savez... Il y a eu des secteurs où on a eu des objectifs très importants. Le solaire thermique, c'était tout de suite de l'autoconsommation. On ne les a jamais atteints, et loin s'en faut. Et ça n'a rien changé. En fait, la PPE, c'est quelque chose qui permet de caper et qui permet, en fait, lorsqu'on a atteint les objectifs, ça a été le cas en 2010, de permettre de dire à l'État, on arrête les aides publiques parce qu'on a atteint les objectifs. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire pour autant... que si on met un objectif de 100 gigawatts en 2028, pour autant, cet objectif soit atteint et soit une garantie d'aller vers son objectif. C'est une indication. C'est une feuille de route, c'est une indication. Mais s'il y avait évidemment d'autres énergies qui se développaient, je pense au nucléaire, de façon massive, à ce moment-là, ça mettrait en cause de façon très très forte. Donc, en gros, oui au nucléaire, parce qu'il y en a de toute manière, on ne peut pas faire autrement, mais pas au tout nucléaire. Quoi, voilà. Il faut laisser la place au solaire. Il faut laisser la place au solaire. Et vous le dites, vous avez une phrase, vous dites que l'autoconsommation est au solaire, ce que le Netflix est à la télé. Oui, oui, parce que en fait, si vous voulez, bon, d'abord, il y a un côté addictif. Le solaire, quand vous y avez goûté, vous ne pouvez plus vous en passer. Quelqu'un qui a pris une douche avec de l'eau chauffée au solaire, c'est pas pareil. Eh oui. On vous invite tous. Et alors, je vous dis pas, quand vous avez de l'électricité, c'est génial. Non, mais franchement, c'est génial. Quand vous vendez au réseau, vous vous en rendez pas compte. Mais quand vous la consommez, que votre pompe de piscine, vous avez mauvaise conscience, elle a une pompe d'un kilo qui tourne toute la journée, ben, quand elle est alimentée par du soleil, c'est plus pareil. Vous ne voyez pas votre piscine de la même façon. La clim, cet été, tout le monde voulait faire de la clim, mais combien nous avons tous résisté en disant qu'on ne va pas installer de la clim alors qu'il fait... Bon, voilà, on va tenir le coup. Mais quand vous aurez du solaire, ce n'est pas la même clim, c'est une clim solaire qui ne vous consomme rien. Alors, ce que je dis là, quand même, c'est violent parce que ça taille un petit peu, mes amis de Négawatt, là, sur le fait qu'il faut absolument économiser l'énergie. Je pense que c'est un des travers de l'électricité solaire, c'est que dans quelques années, elle sera gratuite. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand l'électricité est gratuite ? Bien, les gens, ils auront tendance à en mettre de plus en plus. Il y a une innovation qui arrive aujourd'hui à grands pas, un peu partout. Agnès m'a envoyé des photos de Chine l'été dernier, mais il y a des Espagnols qui ont annoncé aujourd'hui de nouvelles tuiles solaires. Tesla aussi va sortir ses tuiles, même si Elon Musk considère qu'elles ne sont pas encore assez esthétiques. Donc on va avoir des tuiles solaires. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra intégrer dans les bâtiments existants, anciens, du solaire, sans qu'il y ait d'obstacles esthétiques. Mais ça veut dire qu'on va couvrir tous les toits.
Quand ce ne sera pas cher, on mettra tous les toits. Et donc, à ce moment-là, on ne se posera plus la question. Oui, aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un gros travail. On travaille sur l'économie d'énergie d'un bâtiment, quand on l'étudie. On regarde quelle est la consommation réelle et on essaie de voir vraiment quel est l'optimum pour que toute l'électricité produite soit consommée. Mais demain, non. Demain, on va mettre autant de place qu'il y a sur le toit. On va produire de l'électricité et on cherchera des usages. Et là, moi, je dis que plutôt que la clim, utilisons le chargement de la voiture électrique. Ça, c'est un vrai, une vraie dévolution. Parce qu'effectivement, on va transférer du pétrole sur l'électricité solaire. Ça permet aussi, dans des endroits comme les Antilles, par exemple, ou la Réunion, où le mix électrique est très, très, très carboné, et où il n'est pas intéressant du point de vue écologique d'utiliser des voitures électriques. Par contre, si on est capable de tracer l'électricité et de dire l'électricité qui alimente les véhicules électriques est une électricité solaire, à ce moment-là, ça change la donne. Et demain, vous pourrez consommer l'électricité d'Occitanie, de Bretagne, de l'Est. Grand Est. Voilà, vous aurez même peut-être de l'électricité d'Alsace, puisque bon, j'ai vu que vous allez avoir un appel d'offres spécial autour de Fessenheim, donc vous aurez plein d'installations solaires, et dont les Alsaciens qui vivent à Paris pourront s'alimenter en électricité alsacienne, solaire alsacienne. Voilà. Et ça, ce n'est pas non plus un épiphénomène. Le fait de pouvoir tracer la qualité de son électricité, l'origine aujourd'hui, vous avez bien vu que les transferts, depuis des années, il y avait des gens qui proposaient des alternatives à la vente d'électricité. Bon, en gros, ils proposaient 10% de remise. Ça ne marchait pas trop. Un jour, ils ont dit c'est 10% de remise plus le fait que l'énergie est verte. Et c'est parti comme des petits pains. C'est parti comme des petits pains. C'est ça qui a fait le truc. Même EDF est obligé d'avoir une offre verte. Hein. Donc, on s'aperçoit que demain, ce sera encore plus localisé. On pourra avoir de l'électricité des centrales villageoises de sa commune ou de son canton. Hein, voilà. On va voir ça. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important et qui est quelque chose qui est complètement inséparable de l'autoconsommation, parce qu'on voit bien qu'il faut tracer la production, il faut tracer les électrons, et il faut permettre à chacun de pouvoir choisir son énergie. Alors juste un mot, parce qu'après juste j'ai repassé la parole, parce qu'on pourrait vous écouter pendant des heures, ouais. André, hein, je crois que là... juste un mot sur Netflix. Netflix, en fait, c'est le bouche à oreille qui fait que ça marche. Mm-hmm. Il y a très peu de publicité, enfin, il y en a encore un peu maintenant, mais il y en a très peu au départ, et le fait que ça se répandait très très vite. Eh bien, ce qui va se passer, en fait, dans le secteur de l'autoconsommation, c'est un peu le même phénomène. Et c'est ça, notre malheur. Parce que si c'était... Si vous voulez, on peut ne pas le réguler, quoi. Les pouvoirs publics ne savent pas comment maîtriser ça si jamais ça fait florès, quoi. Voilà. Et donc, quelle est la méthode? Alors, on dit, bon, on va obliger qu'il y ait un audit, etc. Enfin, bon, des choses de qualité indispensables. Mais si on fait comme en Espagne, comme un impôt sur le solaire, les gens ne le déclarent pas en Espagne. Ils font du solaire et ils ne s'inscrivent pas dans le répertoire. Donc, voilà. Donc, moi, je plaide pour de la liberté. Il faut ouvrir les réseaux. Les réseaux sont publics, ils appartiennent aux collectivités, on les a payés, ils sont bien gérés, on a les meilleurs réseaux du monde. Profitons-en, n'allons pas créer des nouveaux réseaux, ça sera aberrant. Hein. Donc, par contre, il faut que le régulateur ouvre le réseau. Il faut vraiment même pousser à aller plus loin que plus loin. Il faut complètement donner de la liberté parce qu'on va inventer des choses géniales. Et ça, c'est l'industrie de demain. Merci André. Alors justement, les uns et les autres, je vais réagir à ce qu'a dit Christian Buchel, peut-être qu'elle a un commentaire sur ce qui a été dit après Agnès Langevin. Je vous en prie, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites aussi. Allez-y. Oui, vous voyez où je peux, enfin chez qui je peux trouver ma source d'inspiration en Occitanie, ce qui est quand même... vraiment appréciable pour une élue hein, de pouvoir effectivement être dans l'anticipation, mais aussi, et je crois que c'est un facteur très important de la transition, de pouvoir imaginer l'avenir
Et ça, André sait très bien le faire. D'ailleurs, nous travaillons à la mise en œuvre, nous travaillons ensemble, à la mise en œuvre d'un mécanisme complémentaire à la garantie d'origine pour effectivement pouvoir marquer l'énergie renouvelable produite en Occitanie, pour toutes les raisons qu'on a évoquées là précédemment. Et du coup, André, tu as tendu la perche. Je disais à mon voisin de droite que nous avions aussi une convention avec Enedis et qu'on pourrait, puisque là nous sommes vraiment dans l'urgence d'un démonstrateur, pilote, puisque donc l'idée c'est de pouvoir constituer un fonds aussi solidaire, d'énergie solidaire, avec un mécanisme un peu complexe et qui n'est pas encore stabilisé, qui vous sera peut-être présenté, je l'espère, dans les prochains mois. Mais on pourrait, André, si tu en es d'accord, associer Enedis pour qu'il puisse aussi avoir un site pilote à généraliser sur ces questions-là. Oui, Christian Michel. Merci pour cette proposition. Et je crois ce qui a été évoqué à la fin par André sur le rôle du réseau public. Je pense que c'est une question politique et sociétale, je pense, extrêmement importante. Et je partage complètement ce qui a été dit. Je crois que le rôle du réseau public, c'est effectivement, dans une collectivité qui est celle de la France, qui est une collectivité solidaire, de partager, en fait, à la fois des coûts et une transformation qui est au bénéfice de tous, avec la transparence nécessaire. Avec la transparence nécessaire, et le tarif en est un élément, l'open data en est un autre, etc., mais avec la transparence nécessaire. Donc oui, à l'ouverture des usages, des nouveaux usages, c'est ce que je disais en introduction, notre rôle c'est bien de rendre possible des nouveaux modèles d'activité, et la proposition qui a été faite sur, je l'entends, sur précarité énergétique / photovoltaïque, je pense que c'est un bon sujet, je ne sais pas comment on va pouvoir le traiter, ou peut-être en Occitanie ou ailleurs, mais je pense que c'est un bon sujet qui n'est pas que RSE, si je peux me permettre. Je pense que c'est un sujet qui est aussi de décarbonisation, non, mais qui est aussi de, on va dire, de CO2, Christelle l'a évoqué en début, de décarbonisation de notre économie et de notre territoire. L'électricité est un bon vecteur de décarbonisation. Et les clients en précarité, il y a beaucoup de débats politiques, il y a le chèque énergie, etc. Je pense que c'est un bon sujet. Je ne sais pas comment le traiter, mais en tout cas, j'ai bien entendu les propositions et des deux côtés. Alors, je vous invite à aller cet après-midi à un atelier sur autoconsommation et nouvelle solidarité. Donc, ça va peut-être c'est un vrai sujet apporter de l'eau à votre moulin. Et le réseau public, encore une fois, le réseau public a un potentiel énorme de transformation, puisqu'il est... dit bien géré, je ne me permets pas de dire ça, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, la France, et pour avoir aussi un peu une vision européenne, on a un tarif d'utilisation des réseaux publics qui est quand même très très compétitif, avec des qualités de service qui sont bonnes. On a de temps en temps des tempêtes importantes, on fait de notre mieux pour réagir dans des délais qui sont acceptables par la collectivité, par les clients finaux, mais je crois que le réseau public, il peut, et il doit, et c'est le rôle qui est aussi le mien dans ma nouvelle responsabilité, rendre possible des modèles d'activité dans la transparence des coûts. Mathieu, allez-y. Après, je vais prendre quand même une ou deux questions de la salle, parce que même si on est légèrement décalé, c'est bien que vous puissiez échanger. Allez-y. Mais André, vous avez mille fois raison sur l'exemple de Netflix. Mais je le redis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Un client qui a une installation d'autoconsommation qui fonctionne, il est prêt, dans 60% des cas, à le recommander. C'est-à-dire que nous, Engie, on a pris un coup d'avance sur le produit, et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que nos clients, quand on leur dit « mais vous avez des voisins qui sont intéressés, est-ce que vous accepteriez de leur faire partager l'expérience ?» À 60%, ils nous disent « oui ». Connaissez-vous beaucoup de consommateurs qui font ça sur leur voiture ou leur... Non. Et donc, on est rentré dans cette phase que vous appelez Netflix. Nous sommes dans le Netflix de l'autoconsommation. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? On va vous passer un micro, si vous le voulez. Il y a une question devant. Où sont les micros ? Je crois qu'ils sont quelque part par là, si quelqu'un peut transmettre un micro. Sinon, je vais descendre. Non ? Voilà, c'est par là. Parfait, je ne voyais pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et au premier rang, il y a... Voilà. Allez-y, en vous présentant et... Posez votre question. Oui, merci. Bonjour, Audrey Zermati du groupe EFI. Je voudrais rebondir sur la question de la précarité énergétique, qui est une spécialité du groupe EFI, plutôt côté efficacité énergétique, mais qui
du coup, s'intéresse aussi beaucoup à l'autoconsommation. Je voudrais porter un point de vigilance parce qu'effectivement, il y a une réflexion à mener. Aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, tout est à faire. Et il ne faudrait pas rater l'opportunité de se dire on va créer des fonds et on va saupoudrer, finalement, en aidant les clients en précarité avec un peu plus de chèque énergie et 50 euros par-ci, par-là. Je pense que là, on a une véritable occasion, et d'ailleurs, ce sera effectivement le sujet de cet après-midi où j'aurai l'occasion d'intervenir. On a l'occasion de ne pas créer deux catégories de consommateurs, ceux qui vont avoir droit à l'autoconsommation parce que, au mieux, c'est des gens qui s'intéressent au sujet, qui sont geeks, qui sont éventuellement bobos ou je ne sais pas quoi. Et puis, la catégorie de consommateurs qui sont en précarité énergétique et qui, eux, n'y auront pas droit, mais qui auront droit, par contre, à des aides curatives a posteriori pour payer leurs factures d'énergie. Voilà. Donc, je pense que si on doit mener une réflexion, et nous, on est effectivement extrêmement partant pour la mener, il faut qu'on réfléchisse comment donner accès, avec les moyens de financement, pour ces consommateurs-là, à l'autoconsommation. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a une question ? Ici, on va vous donner un micro, le monsieur, ici. Juste ici. Merci. Bonjour, merci. Monsieur Farco, j'ai trois casquettes dans le photovoltaïque. Je suis expert à la cour d'appel de Toulouse. Je suis formateur Cali-PV. J'ai participé à une partie des rédactions des nouveaux référentiels de formation. Et je suis installateur. C'est-à-dire que je balaye pas mal toute la problématique du photovoltaïque et notamment de l'autoconsommation. Alors, quelques suggestions, quelques idées. Déjà que les gens de Paris viennent un peu sur le terrain voir nos difficultés, notamment en termes administratifs. Un dossier d'autoconsommation pour un promoteur 285 watts crête, c'est absolument abominable à traiter, ce qui fait que les éco-délinquants ne les traitent pas. Donc effectivement, là, on vient sur la problématique, l'image de l'autoconsommation, les éco-délinquants, sur lequel il faut renforcer la formation et donner les moyens sur les labels de certification, de contrôle et d'agir sur les éco-délinquants. J'ai fait des signalements, je le fais régulièrement. 8 mois après, l'entreprise peut continuer de faire du mauvais travail et de casser la filière. Et ça, c'est dramatique. Donc, formation des professionnels et les moyens de contrôle. Simplification des formalités. Alors, on peut mettre des niveaux de puissance, mais quand vous avez un promoteur qui répond juste à l'ART 2012 pour l'instant, mais c'est pas grave, il fait rentrer le photovoltaïque dans l'habitation, vous faites 60 logements, c'est 60 dossiers. Avant, on arrivait à trouver des solutions de faire un seul dossier et de demander une duplication. Maintenant, il faut qu'on les traite tous. Le portail Enedis, il change tous les 3 mois, si ce n'est tous les mois. Il faut, à chaque fois, si ça plante, vous recommencez. Vous vous rendez pas compte pour les professionnels, l'inertie, l'énergie perdue plutôt que d'en faire du photovoltaïque. Et ça, c'est vraiment important que de là-haut, on descende, on vienne voir les professionnels, quelles sont nos problématiques, et on simplifie, on simplifie, on simplifie. Et si on veut gérer les éco-délinquants, effectivement, ça a été suggéré par l'ADEME, supprimons les crédits à la consommation pour le photovoltaïque. Ça va régler 90% du problème. Si on a des professionnels contrôlés, et là, on va pouvoir développer l'autoconsommation de façon propre et durable. Merci pour votre témoignage. Vous voulez... Oui, précarité. Christelle Mouillère voulait réagir, je vous en prie. Alors, je voudrais répondre par rapport à la précarité énergétique. Alors, c'est vrai que dans la région Grand Est, il y a le projet Climaction. Mais pour les particuliers, nous avons tout particulièrement mis en place une SEM qui s'appelle la SEM Octave, qui accompagne le particulier donc, dans sa rénovation énergétique. Et pour les personnes qui ont plus de difficultés, il y a comme partenaire la Banque des Territoires, Procivis. Donc on sensibilise le monde banquier à l'économie qui peut être faite et qui permettra d'accompagner au niveau d'un crédit, tout simplement. Donc voilà, ça, c'est ce que je voulais annoncer. Oui,
Nous accompagnons bien sûr les bailleurs sociaux dans l'autoconsommation collective. Le 2 octobre sera inaugurée une première installation à l'ES, avec, en partenariat avec les logis CEFNOL et EDF et la région, où là donc c'est un programme d'autoconsommation qui va concerner 100 logements et dont la réduction de la facture énergétique est évaluée à 100 euros par foyer. Donc effectivement, dans nos priorités, il y a le développement des projets en autoconso collective destinés aux bailleurs sociaux, bien sûr. Je sais pas si le micro. Oui. Donc sur la précarité, la proposition de méthode faite par Audrey, complètement d'accord. Je pense que c'est plutôt une chance qui est aujourd'hui, il a été dit, il n'y a rien. Bah, c'est plutôt une chance, je pense, pour bâtir. L'atelier de cet après-midi va certainement y participer. Mais je pense que c'est inventé. Donc, effectivement, prenons cette opportunité-là. Merci pour votre intervention. Vous l'avez exprimé de Toulouse. Enedis, c'est 25 régions en France. Donc, d'ailleurs, il y a un patron de région... chez vous, à Toulouse, donc je vous rassure, c'est pas les quelques Parisiens, d'ailleurs ils le sont pas vraiment, ma voisine de droite le sait bien en ce qui me concerne, mais je crois que la prise en compte effectivement de la réalité, de la difficulté, oui, nous sommes conscients de ça, c'est compliqué puisque la réglementation, elle doit évoluer, quand elle évolue, c'est effectivement des changements, vous avez évoqué les portails, on sait qu'on a du travail à faire, mais en même temps, il faut intégrer dans les portails les changements. On a essayé de mettre sur portail, là, par exemple, voudrait faire du self-care, comme on appelle ça, c'est-à-dire essayer de faire des devis directement sur portail. Bon, c'est encore du travail à faire, c'est là que je disais, et merci André de dire la combinaison du digital et on va dire de l'énergie est absolument clé, donc c'est un travail considérable. Oui, ça va très vite, oui, il y a des choses qui changent, mais je pense qu'ensemble, ces transformations sont gérables. Moi, je souligne quand même au passage, vous avez parlé de contre-référence, etc. J'étais à l'époque dans le Grand Est, quand, on va dire, la géothermie, etc., on a beaucoup travaillé sur éviter les contre-références, parce que c'est une catastrophe. Je note, moi, et le Enerplan, je veux les saluer ici, pour le travail qui est fait par Enerplan, pour éviter, et Arnaud Leroy l'a dit aussi, il a utilisé un autre mot, mais éviter les contre-références. Nos équipes d'Enedis dans les 25 régions de France, elle travaille avec les professionnels, on se parlera après, mais je pense que c'est effectivement dans les territoires que ça se passe. C'est pas comme ça un pilotage d'en haut, c'est effectivement dans les territoires que ça se passe. Après, il y a des règles du jeu dans une communauté collective qui est celle de la France, qui évolue à un rythme qui, pour les uns, est trop rapide, pour les autres, trop lent, mais il faut effectivement que ces évolutions réglementaires, elles intègrent la réalité physique et les attentes des clients. En tout cas, ça fait longtemps qu'on entend parler de simplification. Je crois que dans beaucoup de secteurs, il y a un besoin de ce côté-là. Bah, écoutez, on va poursuivre parce que c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à échanger ce matin. Donc, je vous remercie vraiment tous les cinq pour cette plénière d'ouverture qui est revenue largement sur l'autoconsommation et puis sur la mutation du secteur. On peut les applaudir pour leur intervention. On va poursuivre cette fois-ci en rentrant dans le plus